start of the week to you, and thanks for joining us for another interesting edition of the Meet the News on the CRTV. Good day, Dudu. Bonjour, Kintabel Kiali. We have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. Madame, monsieur, à la une de l'actualité, allégation mensongère d'un activiste de la diaspora face au chef de l'État français lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Réponse du gouvernement de la République, réaction de la classe politique et des jeunes dans le 12 heures. Élections législatives du 9 février dernier au Cameroun, voici le temps du contentieux post-électoral, ouverture des débats ce lundi au Conseil constitutionnel. Et puis, cap sur le bac de Nactigal dans la page magazine, l'embarcation respire les derniers moments de son histoire avec la construction du pont. Reportage à suivre vers la fin de cette édition du 12 heures. Quintabel Kiali, vous avez la première partie du journal. And we begin, of course, with the news of the day, which is that about 5,000 youth have stormed the premises of the French embassy in Cameroon to protest against French President Emmanuel Macron's utterances to a Cameroonian activist in France with respect to said pressure he was exerting on the Cameroonian head of state. The protesting youth from universities and different associations in Yaoundé demand an apology from Mr. Macron as they found him, quote, disrespectful towards a country in general. According to them, President Paul Biya deserves to be honorably treated, not just as a president of a sovereign state, but one who has toiled relentlessly to bring peace to the country. They have been waving these messages during a peaceful protest which started in the early hours of the morning. A video circulating on social media shows President Emmanuel Macron move towards the cries of an unknown individual who later introduces himself as Cameroonian activist and pleads with the French president to put pressure on the Cameroonian head of state, Paul Biya. In the meantime, the government of the Republic of Cameroon, through the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, has categorically rejected the false allegations by an activist who confronted French President Emmanuel Macron last Saturday. The press release from the Minister of Communication for that called on friendly countries not to give credit to the countries, friendly countries not to give credit to the falsehood and adventurers whose intention is to manipulate international opinion to sell the image of our fatherland. The Cameroon Defense Forces, Minister Sadi emphasized, carry out their duties professionally and with strict respect of human rights. Some politicians in Cameroon have described as undiplomatic and unfair the French President Emmanuel Macron's utterances concerning his country's relations with Cameroon. The anger was expressed after President Macron, in response to questions posed to him by an activist of Cameroonian origin, said he had been exerting pressure on President Paul Biya to take certain decisions, including the freedom given to an opposition leader who was jailed for acts of violence against the state of Cameroon. Moki Edwin Kinzaka gathered some reactions in our reports. It's been headline news with many radio and television stations expressing their disappointment. For instance, Vision Card Television says it is unimaginable that the President of France, Emmanuel Macron, spoke about President Paul Biya using such undiplomatic words. The speech, all the words and the manner in which they were spoken or the tone were a little insensitive or paternalistic or condescending, that kind of thing, given the history of relations between Africa and Europe. I think France has a lot to benefit by keeping relations between herself and Cameroon. Moi, en tant que président national du Front pour le Salut National du Cameroun, he says as president of the National Salvation Front Party, he finds President Emmanuel Macron's declarations an abuse to Cameroon's dignity. He says the Cameroonian people should stand by the Republican institutions and elected officials and immediately forget such words used by President Macron. Nous attendons évidemment la réponse solennelle officielle du gouvernement. Au Cameroun comme ailleurs en Afrique. He says colonial perceptions about Africa still continue till today, and that Africans should continue fostering their independence by thinking about what they should do themselves. He says President Macron's statements are rather unfortunate. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant pour nous.
To many, French President Emmanuel Macron spoke as if he had lessons to give an elected African leader, failing to understand that the two countries are sovereign states. And young people from various youth movements and friends of President Paul Biya have denounced the declarations of the French President Emmanuel Macron at the Salon de l'Agriculture in Paris against the Cameroonian people. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya. This was during a gathering yesterday at the conference hall of the Regional Delegation for Youth Affairs and Civic Education in the Center Region. Here now is an excerpt of the communication officer of an association known as Friends of Popol, Sandra Marcel Beyene. Considering the speeches of threats and external pressures from the French president who discredits the sovereignty of our country, Cameroon, considering the non-interference in the internal affairs of sovereign states, as stipulated by the Charter of the United Nations, considering the legitimacy and legality enjoyed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, head of state, denounce with the latest energy the words of French President Emmanuel Macron, malicious and even outrageous attitude toward the sovereign Cameroonian people and their leader, His Excellency Paul Biya. We condemn these isolated acts of these criminal activists who sacrilege our embassies abroad. Let us recall that only the Cameroonian people are masters of their own destiny and cannot be dictated by any conduct. Let us reiterate our unwavering support to the institutions of the Republic and for those who embody it well, and we all remain mobilized behind it for the implementation of its policy. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. Il y a eu manifestation très tôt ce matin devant l'ambassade de France à Yaoundé. Un mouvement apparemment spontané de plus de 400 jeunes étudiants et travailleurs de profession libérale ont investi la rue devant le bâtiment au quartier Olezo à Yaoundé. Ils marquent ainsi leur mécontentement en réaction aux propos tenus par le président français au Salon de l'Agriculture samedi dernier. Police et gendarmerie sont également présents sur place afin de contenir tout débordement. La manifestation pacifique a néanmoins perturbé le fonctionnement du service de l'ambassade. Nous y reviendrons. Et cette réponse du gouvernement camerounais aux allégations mensongères d'un activiste de la diaspora face au chef de l'État français, dans un communiqué du ministre de la Communication hier dimanche 23 février 2020, le porte-parole du gouvernement note que le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les médias sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un individu se présentant comme étant un activiste originaire du Cameroun interpelle bruyamment le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce quidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques. Et qui ont toujours été fondés sur les principes sacrés de souveraineté des États et du respect mutuel. En fustigeant ce comportement insensé et irresponsable, le gouvernement de la République rejette catégoriquement les contre-vérités proféré par ce prétendu activiste. Le gouvernement demande aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne pas accorder du crédit à des activistes, des aventuriers ou des forcenés manipulés et instrumentalisés avides de notoriété dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun. Le peuple camerounais, à l'instar de tous les peuples du monde, entend demeurer maître de son destin.
En rapport avec cette actualité, donc stupeur, indignation dans la société civile et sur la scène politique nationale, des leaders politiques protestent contre cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis samedi et dans laquelle le président de la République française tient des propos très peu diplomatiques à l'encontre de notre chef de l'État. La scène s'est déroulée à l'ouverture du Salon de l'agriculture en France. Nous l'avons dit, Madame, Monsieur Emmanuel Macron y est apostrophé par un individu prétendument camerounais et qui se penche sur des questions de politique intérieure au Cameroun. Inacceptable, disent ceux que notre reporter Serge Atanganabiso a interviewé hier dimanche au sortir des divers plateaux télé. Regardez. J'ai mis la pression sur ce serait un devoir de classe que vu d'ici, l'ascension serait sans appel. Peut mieux faire. Ce discours est inacceptable. Inacceptable parce qu'il annonce au monde que le gouvernement camerounais n'est ni plus ni moins qu'une caisse de résonance de la volonté donc, du dirigeant français et que le président de la République, M. Paul Biya, démocratiquement élu, est perçu aujourd'hui comme une marionnette. Pour quasiment tous, en voilà une occasion manquée de se taire. Mais ce n'est pas tant que ça étonnant. On avait accusé le dirigeant d'un pays comme étant un dictateur, un tyran et qu'il devait partir. Et nous avons vu la suite qui lui en a été réservée, à savoir être assassiné. J'interpelle donc le peuple camerounais dans son entièreté pour qu'il comprenne que la protection... Nous devons d'abord nous organiser pour la protection de notre chef de nation. Nous devons savoir qu'au salon de l'agriculture, il y a un autre activiste qui a essayé d'interpeller le président de la République française, M. Éric Drouet, qui a été l'une des figures du mouvement social des Gilets jaunes, mais qui, lui, n'a pas eu la chance de pouvoir approcher M. Macron. Donc je ne pense pas que ce soit le fruit d'un hasard. Ce que le président Macron a dit et la manière qu'il a dit, je crois qu'il faut regarder d'abord du côté de la personne, c'est-à-dire le président Macron. Il a un style qui est bien connu, ce qu'on appelle un style qui est une sorte de nouveau paradigme, qui est un style de pensée out of the box, comme on dit en anglais. Changement de paradigme, on veut bien, tant que les codes et usages diplomatiques ne sont pas transgressés. C'est un président qui parle d'un autre président, pardi. Ici, on parle d'élégance, de convenance, des senteurs typiques douce France. Un livre justement tombe à pic, fruit d'entretien avec le prédécesseur du président Macron, paru en octobre 2016. Du moins son titre. Un président ne devrait pas dire ça. La France est un ami du Cameroun. La France a toujours aidé le Cameroun de manière protéiforme. Mais cela n'autorise pas pour autant contiennent des propos abjects que les autorités françaises pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quelle déclaration à l'élu de la nation. Formule pour formule, ça sort comme ça sort. Ce sont des hommes politiques, libres et intègres, qui expriment ici leur dégoût. Le propos du président Macron, qu'il me permette de faire le jeu de mots, ne vaut pas un micro. C'est du courroux patriotique, juste une réaction. Les jeunes prennent la défense du chef de l'État, Paul Biya, et de la souveraineté du Cameroun. Des représentants d'associations des jeunes et d'organisations de la société civile réunis sous la bannière de l'ami de Popol ont fait ce dimanche à Yaoundé une déclaration. La déclaration dénonce les propos inélégants du président français qui décrédibilise la souveraineté de l'État du Cameroun. Voici un extrait sélectionné par notre reporter Évariste Eyinga. Considérant les discours de menaces et pressions extérieures du président français qui décrédibilisent la souveraineté de notre pays, le Cameroun, considérant la non-ingérence dans les affaires internes des États souverains telles que stipulées par la Charte des Nations Unies, considérant la légitimité et la légalité dont jouit le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, dénonçons avec la dernière énergie les propos inélégants et malveillants, voire outrageux, du président français Emmanuel Macron à l'endroit du peuple camerounais souverain
et de son chef, son Excellence, M. Paul Biya. Condamnons la légèreté, le manque de considération et de respect dont a fait montre le président français sur les questions internes de l'État camerounais. Condamnons avec fermeté cet acte isolé de cet activiste criminel, auteur du saccage de nos ambassades à l'étranger. Rappelons que seul le peuple camerounais est maître de son destin et ne saurait se laisser dicter une quelconque conduite d'où qu'elle vienne. Réitérons notre soutien indéfectible aux institutions de la République et à celui qui les incarne si bien, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et restons mobilisés. And if you're just joining us, you're watching the Midday News on the Cameroon Radio Television, the CRTV. The Constitutional Council today begins examining petitions tabled by some political parties for the February 9 legislative elections. The National Commission for the Final Counting of Votes submitted its report to the Constitutional Council yesterday as required by the Cameroon Electoral Code. In the meantime, the results of the legislative poll will be officially proclaimed on Friday, the 28th of February. We will be giving you updates in subsequent editions of our newscast. In other news, 40 participants from around Africa are taking part in a 5-day free training program on the Big Data for Development short course program. Organized by the African Institute for Mathematical Sciences, Cameroon, the objective is to stimulate innovation, development opportunities through paper data collection and disaster prevention. The workshop is also geared towards improving the skills of data scientists through quality information because experts say policies-based data is primordial. Topics like big data processing, machine learning and data science will be tackled at the event holding at ENS Yaoundé and currently being chaired by the representative of the Minister of Higher Education, Professor Roger Asta Etundi. The alumni of the Sacred Heart of College, Makak, in the Nyong and Kele division of the Center Region have resolved to revamp the image of the institution. The commitment was taken during their Cultural Week activities that equally saw the election of the new executive of the association. Gerald Nanji has the details. Sacred Heart College, Makak, that used to be the cradle of academic excellence in the Center Region and beyond, has until fairly recently been witnessing a downturn in both its enrollment and even infrastructure. It was in this light that its ex-students association met recently in Yaoundé to brainstorm on how to give a facelift to this once legendary college. Il y a des projets qui existent au collège, par exemple. We need to see how to renovate certain structures like the bakery, the swimming pool and other compartments. Pedagogically, we need to devise ways of making students come back to the college. Les gens refassent de nouveau confiance au collège. Considered as an institution where their educational umbilical cord was planted and which paved their ways to greatness, the alumni is poised to contribute to its rebirth. When we were in college, college was very good. We have a lot of students. We have a lot of activities. But today, so we are trying to find strategies. How can we come back as before? Christian, the batch of Ndebi Bia generation, the meeting also witnessed some sociocultural activities and the election of new executive of the association. Merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur, sur la voie de la proclamation des résultats de l'élection législative du 9 février dernier au Cameroun. Ouverture ce lundi du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel à Yaoundé. Comme vous pouvez le voir en image, Madame, Monsieur, les membres de la haute juridiction, avec en tête le président Clément Atangana, suivent les arguments des représentants des partis politiques ou leurs mandataires. Débat en direct en ce moment même sur CRTV News. Nous y reviendrons.
Sur un tout autre plan, sur le plan sécuritaire, sécurité des personnes et des biens, l'important gang de supposés malfrats dans les mailles de la gendarmerie nationale, 13 suspects en tout, auteurs de nombreuses exactions dans les grandes métropoles, parmi lesquelles l'assassinat d'un gendarme au mois de janvier dernier. Pour d'autres détails, retrouvons notre reporter Pierre Evembe à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé. Premier. Pierre Evembe. Bonjour à vous au studio 5 de Baladeur. Je suis ici à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 où, à la suite d'une vaste opération, 13 supposés malfrats ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie. Ils seraient à l'origine de l'assassinat d'un gendarme et d'un usager dans une agence de Paris, notamment le Paris Foot en Baladeur. Et pour avoir plus ample détail, j'ai avec moi le chef d'escadron Jean-Alain Ndongo, qui est le commandant de la compagnie de gendarmerie Yaoundé 1, pour m'expliquer, pour vous donner plus de détails sur cette arrestation. Bonjour mon commandant. Bonjour. Dites-nous, quelles sont les circonstances de l'arrestation de cet important gang? Alors, l'arrestation de ce gang remonte après l'assassinat du gendarme-major qui était Gires dans la nuit du 23 janvier. Au cours du braquage perpétré qui a suivi à son assassinat, plusieurs téléphones ont été emportés. Et le tracking de ces numéros de téléphone a permis de rapidement mettre la main sur le chef de gang. Et ayant mis la main sur le chef de gang, il était facile pour nous de remonter la file, de remettre toutes les pièces du puzzle. L'avantage que nous avions aussi, c'était le fait que ce gang, au-delà même déjà du braquage à l'auberge Rossi, ils avaient déjà perpétré un autre braquage, comme vous le disiez tantôt, dans une structure de commerce où quelqu'un était décédé. Mais l'avantage, c'était la mise sur pied, n'est-ce pas, d'une opération qui devait être portée hors de nos frontières. Et comme tous les membres du groupe devaient se retrouver à Yaoundé pour certains faire leur pièce d'identité pour voyager, il a été donc facile pour nous, par guet-apens et par participation du chef de gang, de mettre la main sur eux. Dites-nous, quel est le profil de ces suspects? Alors, sur les 13 interpellés, 12 sont des repris de justice. Et ils ont été soit à la prison de New Bella Douala, soit à celle de Bamenda. Et des 12, nous avons 3 qui se sont évadés, donc qui n'ont pas achevé leur condamnation. Okay, merci beaucoup, mon commandant. Je vous en prie. Donc, c'est une bonne frange de la population qui pourra maintenant dormir tranquille. Je vous renvoie à l'antenne. Je suis Pierre Evembe depuis la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1. Merci à vous, Pierre Evembe. Dans la suite du journal, l'Institut africain des sciences mathématiques tient en ce moment la cérémonie d'ouverture d'un programme de formation de 5 jours à Yaoundé. Travaux de renforcement des capacités de 40 participants en provenance de plusieurs pays d'Afrique. Il est question de les outiller à bien mener le projet Big Data for Development. Le professeur Mama Fupoanyinyi, président de l'Institut africain des sciences mathématiques pour le Cameroun, affirme que cette formation participera à mieux traiter les données dans divers domaines et de répondre à la demande mondiale de plus en plus croissante. Nous y reviendrons. Quintabel Kiali, vous avez la suite du journal. A network of deadly armed robbers who killed a gendarme on mission in Yaoundé has been arrested with the different types of guns, cartridges and ammunition arrested by the National Gendarmerie, the 13 members of the gang that was planning to have vast operation in Gabon are about now being presented to the public at the Yaoundé First Gendarmerie Company, where Kilian Ndifon is standing by live. Good day, Kilian. Good day, Quintabel. Good day to everyone watching us. Welcome to the Yaoundé One Gendarmerie Company here in Yaoundé, where a gang of 13 armed robbers have been arrested, and they have been arrested following investigations that started with the killing of a gendarme officer here in Yaoundé on the night of the 23rd of January, breaking 24th, who came from Saint Malima on mission within the framework of the ceremony of the Triumph of EMEA. I have here with me the commander of the Gendarmerie One Company in Yaoundé, Major Ndongo Jean-Alain. Good morning. Good morning, sir.
Can you tell us under what circumstances these gang members of the gang were arrested? Okay, these members of gang were arrested, as you said, after the armed robbing operation they launched at Rossi Hostel at Mokolo, where they killed the gendarme. They also took a lot of funds, and we started tracking them. By tracking the phone, it led us to the leader of the gang, and it was simple for us, after arresting the leader of the gang, to arrest the other members. Yes, and we are told by Major, ladies and gentlemen, that this gang of 18 has a network around the country, including even Gabon, and they were preparing for a vast operation in Gabon, and the National Gendarmerie has been there to stop that. Kilian Dandifon reporting live from the National Gendarmerie headquarters in Yaoundé. Over to you. And the Garden of Education and Healing Orphanage in Bamenda has benefited from relief material from the President of the Republic, Paul Biya, following an influx of about 70 persons, mostly women and children. They are all victims of armed groups in Bafang, a locality in the Menchum division of the Northwest region. The humanitarian assistance, made up of mattresses, toiletries, food items, and the sum of 1.5 million CFA francs for their medical needs, were handed over to the Tenefor neighborhood on behalf of the head of state by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Here's an excerpt of Minister Paul Atanganji, selected for us by Kilian Dandifon. This excerpt of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, probably in subsequent editions of our newscast. In the meantime, Hervé Bouge, pioneer director of ACG, today known as the Advanced School of Mass Communication, ASMAC of ESTIC, or ESTIC, has died. An icon of mass communication, Hervé Bouge spent a greater part of his professional life in the training of pace setters of journalism in Cameroon in particular and Africa in general. In his native France, Hervé Bouge held functions as PDG of the first French TV channel, TF1, before retirement. Doudou, you have the next part of the news. Vous l'avez dit, Quintabel Kialé, une grande figure de l'audiovisuel et de la francophonie s'en va. Hervé Bouge est décédé hier dimanche à l'âge de 86 ans à Paris. Le disparu était journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, France 2, France 3 et de la radio RFI. Nous y reviendrons. En religion, l'église presbytérienne camerounaise paroisse de Djungolo à Yaoundé vient d'achever une série d'activités dans le cadre de la 16e édition de sa fête paroissiale. La clôture de cette 16e édition a eu lieu ce dimanche en présence de nombreux chrétiens. Michel Renaud, Ouandja, reportage. La 16e édition de la fête paroissiale à l'EPC Djungolo dans le consistoire Yaoundé était l'occasion de revisiter les actions menées pour la bonne marche de cette communauté. À l'église locale qui est à Djungolo, nous avons fait un programme d'activité qui a commencé depuis deux ans. La fête paroissiale, nous avons réduite. À partir de l'an prochain, nous voulons lancer la construction d'un nouveau temple. Le culte de clôture des activités de l'édition 2020 a regroupé les fidèles, nombreuses personnalités et un collège important de pasteurs. L'église presbytérienne dans la région de Yaoundé a commencé ici en 1922. Et en 2022, nous devrons donc fêter les 100 ans de notre église. Le révérend David Kolunga, prédicateur des circonstances, s'inspirant des écrits de Luc, a appelé le peuple de Dieu à s'unir pour faire de la paroisse de Djungolo une référence. L'occasion a été donnée aux chrétiens d'accueillir Jésus à travers beaucoup de grâces, mais il est normal que nous le recevions. La paroisse EPC de Djungolo entend maintenir allumé le flambeau de l'évangélisation des proximités. Voici venu le temps de la page magazine du 12h. Allons à la découverte du bac de Natigal qui flotte depuis plus d'un demi-siècle sur les eaux de la Sanaga. L'embarcation respire les derniers moments de son histoire. Un pont est en construction à cet endroit, un soulagement pour les usagers avec tout de même une pointe de nostalgie. Suivant notre guide dans cette mi-journée, Paul Alain Abena de CRTV Centre.
Il a de l'âge, le bac de Naktigal. L'ouvrage flotte sur les eaux de la Sanaga depuis de nombreuses décennies. Quelques anciens en ont conservé des souvenirs impérissables. Dans le temps ancien, bon, j'ai eu des nouvelles parce que les années sont passées là. Là, les voitures partaient encore même jusqu'à Bafoussam. Les gens dormaient ici et ils passaient des nuits ici, des jours ici, parce qu'il y avait tellement de voitures. Lobac rédige maintenant les dernières pages de son épopée. Inévitable pincement au cœur de ses nombreux usagers à qui, en réalité, Lobac ne va pas beaucoup manquer. Quand vous allez, vous avez une préoccupation de l'autre côté. Vraiment, il faut prendre tout votre temps parce qu'il faut l'attendre, il a ses caprices et tout et tout. Au moment où Lobac fait ses valises, on craint pour ces milliers d'enfants qui ne sauront jamais à quoi ressemble un bac. C'est pourquoi Naktigal se transforme chaque jour en un site de pèlerinage afin de permettre aux jeunes générations de pouvoir en parler un jour. Nous sommes là présentement devant ce bac et nos enfants aussi ont vraiment cette envie de monter, traverser le fleuve Sanaga. Du soulagement à l'horizon avec la disparition inéluctable du bac, devenu avec le temps un instrument de torture. Mais la perspective n'est pas accueillie avec un égal enthousiasme chez tous. Depuis des années, nous sommes ici là. On part au champ, on rentre, on descend ici là pour vendre nos adanas, nos ignames. Et quand vous nous déménagez d'ici là, on va aller vendre où ? Le compte à rebours est donc engagé. Bientôt, l'immense clairière va se libérer des vrombissements assourdissants du bac, des longues attentes sur la berge et des piqûres d'insectes divers. Ce n'est pas encore la dernière traversée du bac, mais un parfum de séparation flotte déjà sur les eaux de la Sanaga. And in sports, Cameroon's Intermediate Lions and their Rwandan counterparts play an international friendly today ahead of the upcoming African Nations Championship CHAN. The coaches of both teams expressed the readiness of their squads in prelude to today's game during a pre-match press conference at the Yaoundé Omnisports Stadium yesterday. Baldwin Sama was there now reports. They came to Cameroon to intensify their preparations ahead of the upcoming African Nations Championship as 26 players and over 14 officials make up Team Rwanda presence in Cameroon. Coach Vincent Mashami of Rwanda says Cameroon is a good litmus test for his team as they will use Monday's match to better prepare. We are trying to acclimatize with the climate, with the weather of Cameroon. We're trying to get used to the food, we're trying to get used to the people, to the environment. I think it's going to help us on one side acclimatizing and then on the other side also trying to put up our team to see how we build a team and how we're going to compete into this upcoming CHAN. Coach Mashami already has an idea of his group opponents during the upcoming African Nations Championship and is working on how to secure victories. We have a very tough group, like the coach said. You never underestimate anyone. Morocco is the defending champions. Uganda, we are always, you know, teeth for tooth. Yeah, so I think it's going to be a very tough game, especially the opener. If Clément Avoga, head coach of Team Cameroon on his part, says he is happy with the preparation so far that have permitted him have an idea of his possible CHAN team. I know some players, we know that they are there and they will go with us in CHAN, but we have to see another player. We can bring us different level. Monday's international friendly is void of any stakes. Voilà, le rideau tombe sur cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV et surtout, nous vous convions à suivre les débats du contentieux post-électoral sur CRTV News. Quintabel Kialé, à demain. À demain, s'il te plaît, adieu.